pas vu ça. Hein. Ok. Alors ceci est le témoignage de deux sœurs, la sœur Christelle qui par la grâce de Dieu aurait après une prière du pasteur et une recommandation que l'ange du Seigneur l'accompagne, elle aurait subi ou alors bénéficié de la présence palpable de l'ange lorsqu'elle rentrait à la maison. Et elle était accompagnée de la sœur, donc la sœur Christelle c'est celle qui est en rose, elle était accompagnée de la sœur Rose qui est plutôt en blanc. Et donc ce témoignage sera rendu tout de suite. Sœur Christelle, que le Seigneur te bénisse. Sœur Rose, Dieu te bénisse. Alors on va commencer par la sœur Christelle. Sœur, est-ce que tu peux exactement nous relater ce que tu as vu ce jour? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, après la prédication qu'il y avait. Oui. Oui. Non, après la prédication qu'il y avait eu ici, le pasteur m'a reçu dans son bureau. C'était pour clôturer, pour sceller mon traitement dans le Seigneur, pour me sceller du Saint-Esprit. Quand je suis arrivée dans son bureau, il a prié sur moi. Et en terminant, il a dit qu'il a donné à l'ange de toujours être auprès de moi. Quand on rentrait, étant donné que nous restons à la maïtue et nous prenons nous souvent parfois à pied, puisqu'on n'a pas son arrêt de taxi, j'étais fatiguée. C'est plutôt elle qui a pris l'enfant que voici. Et elle a mis sur son dos. Dès le moment où nous sommes descendus du véhicule, j'ai commencé à ressentir comment ça chauffait ça sur ma gauche. Je demande, mais c'est comment? J'ai chaud, c'est comment? Je ne comprends pas. Pourquoi ça chauffe comme ça? Je touche, je sais comment ça chauffe. Je touche de là à là, ça chauffe. C'est quoi ça? Oh, ma, je ne lui dis rien. Je veux parler, je ne lui dis rien. Parce que je me disais qu'elle allait me prendre comme une folle. Quand on chemine et on arrive au niveau du lambardaire, je vois comment la sœur Rose s'arrête. Elle regarde tout autour de moi, elle ne dit rien. Moi aussi, dans ma fatigue, je ne lui ai rien demandé. Je me suis demandé pourquoi elle s'arrête. Elle n'a rien dit, on a continué. Arrivé à un certain moment, sur le tronçon qui mène dans la prison, le monsieur a dit, je lui ai dit que je ne veux plus arrêter. L'ombre de qui? De la personne dont tu ressentais la présence? Oui. Et quand elle m'a dit qu'elle a vu son ombre à la gauche, je n'ai réellement ce que je voyais qu'elle a vu. C'est à la gauche que je ressentais cette présence-là. Elle m'a dit comment c'était. Je me suis parlé. Une fois que je suis rentrée à la maison, je ressentais toujours la même présence à ma gauche, même quand je me suis dit. Et quelques jours après, dans le plein, je me suis dit que tu pouvais donner une fois de plein, quand je dis que tu es un problème. En plein trois heures, c'est comme si on m'entend le réveiller. Quand je me suis réveillée, j'ai vu au milieu de la chambre une présence. Donc c'était une personne avec toute une longue robe blanche, avec une ceinture qui brillait ici au niveau de l'eau. Quand je lui ai appris ma petite cette personne, j'ai dit que la main est chargée, que j'en peux pas regarder, quand elle a vu ce réveillé, avec toi, donc c'était visiblement la même personne qui t'accompagnait sur la route et dont tu n'avais pas vu le visage. Est-ce que dans la chambre, cette fois-là, tu as bien vu le visage de la personne? Non, le visage était blanc, tout blanc. Donc, si on ne peut pas bien, ça brillait. Donc, quand je lui ai accompagné, je me disais tout le temps, mais je ne pouvais pas bien, ça brillait, ça brillait. Tu étais dans ton état de veille normal? Oui, c'est normal. Tout le temps, j'ai mis ma petite salle blanche. Je voulais que j'ai fait ça. J'ai fait ma langue plusieurs fois. J'ai fini ma peau comme ça. Je vois comment je suis. Je ne dors pas. Et la personne était là, il ne voulait pas. Pendant que je faisais comme ça, la personne souriait sur moi. Quand je dis, j'ai ma petite salle blanche. Elle aussi, tu me disais, c'est bon. D'une longue robe blanche avec un voile sur la tête. Et tu as vu les pieds? Non, je ne peux pas voir les pieds, c'était tout était sous le voile. Tu as touché le sol? Oui. C'est que moi, c'était le visage, c'était tout clair. Alors, sœur Rose, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu as vu au moment où tu as dit à la sœur que tu avais vu l'ombre à sa gauche? Oh,
Ça veut dire qu'il y avait de la lumière à cet endroit-là. Là, tu vois l'ombre au sol ou bien sur elle? Donc près de son ombre, il y avait l'ombre visiblement d'un homme. Mais qu'à ce moment-là, tu n'as pas ressenti comme des frissons, ou alors tu n'as pas ressenti quelque chose de surnaturel, de particulier, une réaction sur ton corps, tout était simple, normal. Ah donc, là où vous partez, il y a le vrai, c'est-à-dire à Joseph Perfection, ta grand-mère. Donc c'était après que le pasteur Élie ait prié pour toi. Et le thème de la prière, c'était au sujet de la délivrance, ou alors que tu reçois le Saint-Esprit, pour que l'ange t'accompagne. C'était quoi exactement? D'accord. Là, tu l'as expérimenté. Donc, tu ressentais la même présence jusqu'à ce que tu ailles te coucher, jusqu'à ce que tu dormes. C'est ce que tu as vu le matin à 3h. Quelques jours après. Pendant ce temps-là, tu as vraiment l'intervalle de temps que tu dis. Mais chaque fois que tu dis, tu m'as touché à un peu plus dans la prière. Et puis j'avais compris le second, que j'avais pour moi, je mettais les mains, je m'avais le nom de chaque fois que je mettais les mains. Quand j'arrive, tu devais t'en prendre, je peux te mettre à toi, tu devais 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 te mettre à toi. Donc tu as envie que je me fais comme ça, tu me fais un peu plus, je me sens que tu vas la prière, que tu as senti. Donc on se dit après, je l'ai dit, voilà, c'est tout ce que je vais faire, c'est pour ça que je vais marcher. Gloire à Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse, sœur Rose et sœur Christelle. Nous sommes heureux de vous avoir. Cette manifestation vient simplement accomplir à ce que nous ressentons l'écriture de Psaume 34, 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Et de Psaume 121 également, qui dit au verset 5, « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Puisse le Seigneur vous bénir richement et puisse être témoignage de vous. Shalom.